Et qu'on va se tenter une mission free spin sur cette machine à sous à Total Halloween dans le jeu qui rack, qu'on a les symboles statiques spécialement sur la ligne du milieu où il y a le multiplicateur x3. Alors, 11, 758. Allez, d'entrée, mise à 100 balles. On s'attend à l'ancienne. Bon, bon, on a quand même une balance relativement costaud. Il suffit que le jeu nous balance des séries de spins perdants interminables et éventuellement c'est réglé. Enfin c'est réglé, c'est-à-dire on va se faire plumer. Alors 450, pas mal. Alors Joker Split. Ça veut dire fonction activée à l'ego. Vérité à chaque fois je me fais piéger avec ce jeu et le Joker Split, mais j'ai pas trop lu les règles, enfin, des fois ça balance pas les free games. Alors malheureusement on n'a pas beaucoup de symboles statiques sur les premiers spins. Non là c'est cramé. Des fois on a des symboles statiques ici, x3, x2. Là c'était de la cacahuète. Et ben voilà, il a balancé les free games d'entrée en début de partie, mais au final on a gagné quoi? Même pas un x2 par rapport à la mise. Bon ben fausse joie. Alors je vais bien relire ce bazar pour les free games. Voilà, en espagnol j'ai un petit peu du mal. Français ou en anglais ça irait, mais le spanish, je suis un peu à la ramasse pour déchiffrer. Forcément sur cette machine à sous on voit des lignes multiplicateurs x1, x2, x3, x2, x1. Bon, j'imagine que forcément le programmeur il a fait en sorte que ça sorte plus souvent sur la ligne du multiplicateur x1 que par exemple le x3. Hein. Ça c'est. Enfin, j'imagine de toute logique. Alors Joker Split, fonction activée, le petit rat. Ça va nous refiler 180 balles. Il nous faut du win d'entrée sur le x2 ou x3. Mal, il en faudra en plus. Quel est les symboles statiques, s'il y a des jolis symboles, c'est du big win à chaque spin. C'est pas du vrai symbole, mais quand même à chaque spin ça va raquer, hein. Plus des potentiels wins supplémentaires. Et voilà, grand premio, ce qui veut dire grand premio à bah, chaque spin supplémentaire. Il nous en reste combien? 2. Grand premio. C'est ça qui est intéressant sur cette machine à sous, c'est que si d'entrée on a des symboles statiques à 4000 balles, bordel. Et ben là on va refaire au moins la même, si on a d'entrée les symboles statiques, ce que je disais, voilà, ben hop, ça raccourt au spin. Alors, le dernier énorme win, à 4000 balles, et voilà. Bordel de sa grand-mère, Gagnancia, 12, de... ouais, blablabla, 22, voilà, quand même. Ouais. C'est un peu hallucinant. Ouais, bah là, stop. Hein. Stop. Frein à main. Hop. Arrêt, on s'écrase dans le mur. Frein à main, allez, go. On se casse.